On va voir comment imputables qu'ils sont, Monsieur le Président. Les conservateurs sont arrivés au pouvoir en permettant d'aider les dénonciateurs, par exemple. C'est plutôt le contraire qui est arrivé avec une loi sans mordant et un acharnement conservateur contre Sylvie Therrien qui a dénoncé les quotas de l'assurance-emploi. Il est grand temps de modifier la loi, Monsieur le Président, pour que les fonctionnaires qui sont témoins de problèmes graves, comme les quotas à l'assurance-emploi ou le scandale des commandites, puissent dénoncer sans crainte de perdre leur emploi. Le ministre peut-il s'engager dès maintenant à réviser la loi? Monsieur le Président, nous voulons que les employés se sentent en confiance quand ils font part de leurs préoccupations quand ils ont des actes répréhensibles dans la fonction publique. Nous avons adopté, Monsieur le Président, des règles après 13 années de scandales et de mauvaise gestion sous les libéraux. C'est justement pour ça que nous avons adopté cette mesure législative, Monsieur le Président. We will continue to make sure. Monsieur le Président, nous allons continuer d'appliquer cette loi qui devrait s'appliquer de façon juste.